de Leroux Covid Blues. Elle était bien concentrée, avec son brevet blanc passé. Pensez aux ébats qu'elle a ratés, la rendait bien trop dégoûtée. Pourtant ce n'était pas foutu. Elle voulait en réussir, pour mieux garder son sourire. Mais un virus bien dégoûtant a débarqué dernièrement, comme si c'était pour nous punir. Elle aimait tant la liberté, Didi. Elle rêvait de voyager, Didi. Il y aurait eu la sortie au château avec les copines et les photos qu'elle ne voit plus qu'en vidéo. Afin de nous faire sans cesse bien flipper, ok, ok. On nous donne des chiffres de mortalité, ok, ok. On rabâche les gestes barrières, ne plus renifler derrière. Interdire roulage de pelle et les cases proposées. Des journalistes bien pathétiques nous rappellent le diagnostic. Les mots de tête tout bien, la tout combat, le rougeur ou frisson. Si essoufflé, poumon touché, tout, 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 vous serez tous sur le Covid. 19. Les longues journées de confinement, merci Macron, merci Philippe. Toutes les semaines, voilà que ça recommence. Du caddi, yadi, yada. Sociaux pour vraiment passer le temps. Ici on voit n'importe quand les apéros de faire visio. Je bouffe même les choses que je n'aime pas. Derrière moi toujours mes parents. Mais je me rattrape en me battant contre mes frangines comme chien et chat. Journée de confinement, merci Macron, merci Philippe. Toutes les semaines, voilà que ça recommence. Du Gabi, Gabi, Gaga. Vous pouvez ouvrir la cage au